Ténor. Affaire de ténor et puis Enus Zonon. Ténor. Côté Moronini, Morolebe, Konyiri. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire-là. Bon, écoutons le général Makoso parler d'abord. À la fin, je vais donner ma position. On ne doit plus jouer avec les gens sur la toile. Makoso parle d'abord. Ténor. 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 Ça fait combien de fois il t'a appelé? Trois fois. Ça fait trois fois. Ténor. Quatre fois. Ou bien regarder mes yeux, je suis dans ton pays et puis je te parle. Il y a des amusements, je ne veux pas même pas entendre. Tu vas bien m'écouter. Parce que c'est ce que j'ai dit à l'annonce de vos fiançailles. Déjà mes fiançailles, là, on a commencé de la manière dont on voyait ton visage. On a l'impression que c'était Enis qui veut forcément te marier. Peut-être que toi, tu n'as pas trop envie. Ténor, tu vas marier la fille là. Tu vas la marier de gré ou de force. Ténor, la petite à cause de toi, tous les tontons qui veulent la m'applore, elle a refusé parce que son cœur est attaché à Ténor. Elle prend avion tous les week-ends, elle est couchée au niveau de Cameroun. Elle prépare, tu manges. Tu étais en prison, elle était là. Ah, garçon, Ténor. Ténor, écoute-moi bien. Ténor! Ou bien écouter, j'ose croire que votre amusement là c'est un buzz et que la date de mariage doit sortir pour alimenter le buzz. C'est-à-dire vous faites un buzz comme ça c'est séparé et puis on voit ça, bim, voici la date du mariage. C'est ce qu'on veut voir. Sinon Ténor, tu vas lire l'heure en bas militer, tu vas lire l'heure en bas ça, parce que même les Camerounais vont te chier, ils vont te chicoter. Là, l'indiat mougou les filles à gauche à droite. Parce qu'un artiste, on ne peut pas gérer ses testicules. Parce que le corps d'un homme, ce n'est que le papy tout le magnifique. Qui n'est pas converti, lui ne croit pas en Dieu. Mais la fille, là, tu vas la marier. Elle t'a trop mis en haut. Elle t'a trop élevé. C'est-à-dire, les femmes comme Eunice, c'est les femmes comme ça, tout le monde cherche. Qui aime garçon, qui met son argent dans la relation. C'est les femmes comme ça. C'est les femmes comme ça que les gens cherchent. Tu t'amuses. On va convoquer ton âme. Tu t'amuses, on va aller s'asseoir au cimetière pour demander à tous les esprits de mort de venir te prendre. Parce que tu ne mérites même pas d'être parmi les êtres humains. Parce que l'ingratitude doit avoir un nom. Doit avoir une fin. Ça, je te le dis. T'es mort. Yes, Seigneur. En Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle les Dula. Il dit, côté moro, nini, moro, lebe, konyiri, il faut laisser affaire. Et puis affaire va te laisser. Il ne faut pas provoquer affaire que tu ne pourras pas calmer. Quand on va vous dire là, vous nous plaisez. Quand tu regardes les faisceaux de Doxy, de tout comme ça, de Elis, il y a quoi tu vas aller chercher encore? Tu es en prison. Il y a quelle femme qui a pu t'aimer que Elis, you know? C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît le bonheur et on reconnaît la femme qui t'aime. Les petits toi, Chizares qui sont autour de toi, au coin tout profané, qui veut juste te laper parce que tu es ténor. Attention, mon petit. Attention. Je m'appelle Atangana Kami Makoso. Attention, petit. Gola. Tu vas marier ça. Même si l'amour est fini dans vos cœurs, vous deux. Quand tu as regardé nos yeux, là, amour là va revenir en bruit. Voilà. Maintenant, Enis. Bon, on sait que c'est un buzz, c'est un buzz. Mais si c'est un buzz, tu es obligé de venir exposer tes problèmes de couple sur les réseaux sociaux. Et là, ça se sent toujours les femmes comme ça qui vont se. Parce que les femmes noires, elles ont toujours un comportement de baguera. C'est venu s'asseoir. Non, j'ai beaucoup supporté. Tu n'as pas encore supporté. Tu vas assumer. Tu n'as rien supporté. Tu veux te marier. Quand on dit foyer, c'est tout ça. C'est un endroit où on met quatre pieds et puis il y a le feu au milieu. Tu vas assumer. Allez, reste-toi tranquille. Il y a trop de femmes qui le disent. C'est normal. Tu as voulu marier, tu as voulu marier ça. Tu vas assumer. Je ne sais pas qui livre. Mais c'est qui livre? Qui livre à ces filles-là? Je vais me marier. Tu vas te marier. Quand tu te lèves, tu fais tenue. Même couleur avec un ténor. Même quand avec ténor. On regarde, mais que c'est bon, que c'est magnifique. Quand tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu as cherché garçon jusqu'à. Tu es tombé sur ténor, c'est ton terminus. On a regardé ton comportement de bas. On dit la fille, est-ce que je suis que c'est une femme? Est-ce que tu n'es pas l'élé? Tu nous as demandé que tu n'es pas l'élé. Tu vas te marier. Vous allez vous marier, vous deux. Gare à vous deux là. Mais je vais vous frapper d'une manière quoi? Vous allez sortir de là, vous allez respecter ce qu'on appelle le cœur des gens. D'abord, vous mentir avant pour commencer. Vous allez venir faire rêver les couples, faire rêver les jeunes filles, pour dire l'amour existe encore. Et vous allez venir nous asseoir, on gros Emilia.
Mais nous devons croire que l'amour n'existe plus. C'est qui? Mais qui vous livre? Je vous donne une semaine pour la date du mariage. À bon entendeur. Salut. Bon, j'ai pris la vidéo de Makoso parce que il a beaucoup appuyé sur le côté buzz, sur ces sujets-là. Voilà. Donc, actuellement, je vais faire deux vidéos sur cette histoire de Yenuzuno puis Tono. Pour cette vidéo-là, on va considérer que c'est un buzz. Mais du moment qu'on considère que c'est un buzz, quelles sont les conséquences? De 1, Tenor et Yenuzuno, vous n'avez plus besoin du buzz pour vous faire voir. Même pas. C'est des gens qui doivent faire buzz sur vous pour se faire voir, mais vous non. Et aujourd'hui, voici une chose. Si c'est un buzz que vous créez comme ça, vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez là, faites capture d'écran de ce que je vais dire pour garder. Ou bien, si vous voulez là, ne gardez même pas. Moi, je vais garder ça. Si ils nous zonons puis tenons, c'est un buzz qu'ils ont planifié. Soit pour organiser les mariages comme ce que Camille Makoso vient de dire, ou bien soit pour booster une activité quelconque. Laissez-moi dire que ce soit dans 10 ans, 20 ans, ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils nous ont dit dans le buzz là. Même si ça va un jour être vrai et ils vont pardonner là, c'est quelque chose qui va finir par arriver. Parce qu'avec l'esprit, ce qu'on ne veut jamais que ça arrive là, ils ne vont pas laisser cette chance là pour que ça s'implante en une seconde dans l'esprit. Au cas où c'est un buzz, ce qu'ils ont dit là, ça va finir par être vrai. En 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Regardez ce moment, vous allez voir. Il y a certains sujets là, on peut faire buzz dessus, certains trucs, on peut faire buzz pour booster, quoi que ce soit. Mais ce que vous avez fait là, si c'est un buzz, vous allez frapper fort. Et vous allez lire, là, vous allez frapper fort. On ne souhaite pas, mais vous-même là, après là, en fait, la chose c'est quoi? On ne souhaite pas que ça soit vrai. Nous, on veut... Bon, les gens veulent que ça soit un buzz, mais moi, je ne veux pas que ça soit un buzz. Parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de buzz sur ce que vous pouvez faire buzz sur un truc quelconque qui n'a rien à voir avec votre vie de couple. Mais si vous faites buzz sur ça, c'est que votre vie de couple que vous menez actuellement, c'est pour vous amuser. C'est de l'amusement. Et demain, le buzz que vous avez fabriqué, le buzz qui se passe dans des jours, ça va devenir vrai. Et nous, on avait fait son post, elle avait posté. Après, bon, actuellement, ça n'existe plus sur sa page, elle a supprimé. Et Tenor aussi, bon, je ne sais pas si lui l'a supprimé pour lui après. Mais actuellement, regardez cette vidéo. C'est la vidéo que j'ai vue sur la page de nous. Regardez ça d'abord. Tu as beaucoup d'argent, c'est ton argent. Ouais. Ton statut, c'est pour toi seul. Toi mais seul. Si tu me manques de respect, tu vas apprécier. Impolitesse, je vais te servir ça. Yeah, fais ça, crier. Yeah, fais ça, baiser. C'est fait sans santé, mais tu vas apprécier. Si tu es impoli, je te montre que c'est impoli. Si tu t'amuses là, il m'en va te t'écouter. Yeah, fais ça, crier. Non, vous voyez un peu, ce qui veut dire que non, ça peut être un buzz. Parce que c'est le lendemain de la publication de la divorce qu'elle a eu à mettre ça sur sa page pour soutenir un peu l'artiste Benoît pour son nouveau morceau que je vais d'ailleurs faire une vidéo dessus. Voilà. Donc ici je vais faire une seconde vidéo dans le cas où c'est pas un buzz, dans le cas où c'est vrai que les deux là ont coupé, je vais faire une seconde vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui a fait que les deux là n'ont pas pu rester ensemble. Et pour vous qui allez suivre la vidéo là, ça va aider beaucoup d'hommes. Moi je n'ai pas tellement d'expérience dans l'histoire d'amour. Mais il peut dire quelque chose qui va aider certaines personnes dans l'histoire d'amour là. Donc la prochaine vidéo là, vous ne devrez pas la louper. Parce que là-bas, il va donner un secret de l'amour. Ne regardez pas mon âge. Ne regardez pas qui je suis. Mais cherchez à regarder cette vidéo. C'est pas aussi pour la visibilité. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mais ça va vous apporter quelque chose. Moi, je fais tout pour toujours apporter de la valeur dans mes vidéos. Donc, merci à vous. Et nous sommes Tenor. Je ne sais pas d'abord. Mais vous allez lire.